Salut les amis, c'est... Quel jour on est aujourd'hui? Quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui c'est le jour où je suis flou. Voilà, merci. Aujourd'hui je crois qu'on est mercredi, ouais, si je me trompe pas. Et j'ai passé toute l'après-midi là, oui, parce que c'est déjà la fin de journée, il est déjà 17h. Il fait nuit, vous avez vu, c'est un peu... voilà, un peu le ciel mi-rose là. Et wow, j'ai passé l'après-midi là à gérer les assurances de la voiture. Non pas parce qu'on a un souci, mais parce que notre nouvelle voiture, notre petite Dacia, rappelez-vous, Docker, qu'on a commandé il y a longtemps, elle devait être livrée fin décembre, début janvier. Finalement, elle est déjà là. Elle est prête, là, elle est prête, elle nous attend. Ils ont déjà fait la carte grise, il ne reste plus qu'à faire les plaques. Donc, on va la récupérer la semaine prochaine, avant décembre. Donc, ouais, je crois que c'est le 28, je ne me rappelle plus quand. Donc là, il fallait gérer les assurances. Donc, je suis allé... Comme tout bon français qui regarde la télé et qui suit les pubs, tu sais, je suis allé sur lesfurets.com. Lesfurets.com. Pour comparer l'assurance, comparer acheter futé. Mais ne le faites pas. Non, mais je vous le dis sincèrement, c'est une perte de temps. Parce que ces sites-là de comparaison d'assurance, de voyage ou de peu importe tous les trucs qu'ils comparent, leur seul intérêt, c'est de récupérer vos données personnelles. Et vous sortir des tarifs. Super tarif. Ok, super. Sauf que toi, tu donnes ton adresse mail et ton numéro de téléphone. Donc là, moi, j'ai fait le truc et tout, et puis ils ont tout, ton adresse postale, ils ont tout, ils ont toutes tes données personnelles, quoi. Et ben là, j'ai eu un appel de Olivier Assurance Auto, j'ai eu un appel de la MAF, j'ai eu un mail de ci, un mail de ça. Et au final, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller voir mon assurance, ça fait 8 ans qu'on est à la même, je vais voir le tarif qu'elle me propose, et ben le tarif, en fait, toutes les assurances, ils ont à peu près les mêmes tarifs. Au même, à garantie égale, c'est à peu près les mêmes tarifs, ça se joue à 50€ à l'année. Donc je me dis, on va rester à notre assurance, on va être fidèle. Ça fait 8 ans qu'on est là-bas. Si on a un souci, ils sont toujours présents. Ils nous embêtent pas avec des justificatifs, des ci, des ça. Donc, on reste au même endroit. Voilà. C'était mon astuce du jour bonjour, mon conseil du jour bonjour. Je sais pas si ça vous sera utile. Évitez les sites de comparaison. Voilà. Bon, je voulais vous parler de... Dès que je commence toujours mes phrases par bon. Ça, c'est un truc de langage. Je voulais vous parler de course, mais en fait, il est trop tard. Faut que je rentre à la maison. Je vous en parlerai. En fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse ce... Je suis noir. Il faut vraiment qu'on fasse ce live 100% question du... pas question du jour, justement. 100% argent, où on va vous parler de gestion de budget, etc. Parce que j'ai pas mal d'astuces sur la façon de faire des courses. Et je pense que ça peut vous intéresser. Mais il n'y a pas que les courses, hein, dans la vie, au niveau de la gestion du budget et de l'argent. Tu vois, il y a plein de choses. Mais là, je vais quand même donner une astuce. Je vous ai donné l'astuce des assurances. Comparer, c'est bien. Mais trop comparé, c'est pas très bien. Bon, on va rentrer à la maison. J'ai failli faire un achat impulsif. Je vais en parler à Bibou. Je l'ai pas acheté, je vais vous en parler aussi. Mais je me tâte à l'acheter, sincèrement. Donc on va voir ça tout de suite à la maison. Coucou. Wouah, des courses! Wouah! Oh, des courses à ramasser! Des courses à ranger! Allez! Tu ranges toutes les courses? Merci! Ah bah non, mais je lâche pas par terre enfin! Merci! À peine arrivé! Déjà que tu veux ranger, hein? Merci! C'est d'une belle aide? D'une bonne aide? Je sais pas, d'une bonne aide. Encore? Tu donnes d'autres choses? Vous avez vu, Bibou, elle a une drôle de tenue. Hein. Oui, je sais, j'ai un drôle de style aujourd'hui. Non, ça commence vraiment. Déjà, tu peux dire bonjour, Bibou. Je vous ai pas dit bonjour. Mais non, c'est moi qui ai pris l'appareil photo. Mais on a dit bonjour ce matin. Mais non, on a pas dit bonjour ce matin. On a même pas ouvert le vlog. Mais non. Ouais. C'est honteux. Oui, je suis désolée de ma tenue, mais en fait... Mais elle est bien cette tenue, c'est sa mère qui lui a donné, je crois. Oui, non, mais il faut savoir qu'en fait, ça commence à devenir compliqué pour moi de m'habiller avec mon ventre. Voilà. Ouais. Je suis très embêtée parce que j'ai pas de tenue d'hiver pour femme enceinte. Ouais. Parce que j'ai été enceinte en été pour Elena et c'était plus facile. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, je suis un peu ennuyée, voyez-vous. Non, mais on va retourner à Kabi Kabi pour voir s'il y a pas des trucs. Ouais, faut que je m'achète un jean, un pull, quelque chose, un manteau. J'ai failli faire un achat d'impulsivité. Ah oui? Un achat toi impulsif. Je savais qu'elle allait dire ça. Mais c'est qu'elle va faire. Toi? Mais t'es pas impulsif, toi? Tu fais pas des achats impulsifs. T'es réfléchi. C'était non. Quoi? J'ai failli. Donc je suis allé à Leclerc. Vous savez, là, c'est la semaine du Black Friday. Et ça fait un moment, moi, je veux qu'on change d'aspirateur. Parce qu'on a un aspirateur P
pérave. Grave. Pourri. Donnez-nous tous les synonymes de pourri en commentaire. Je pense qu'on va les additionner pour. Et ce sera la description de cet aspirateur. C'est un truc donc pérave que j'avais acheté 30 euros ou même moins que ça. Peut-être. Il y a des années. Il y a au moins 4 ans. Je pense qu'en fait on l'avait acheté quand on s'est installé à Angers. Non, je crois pas. Honnêtement. Bref, ça fait longtemps. Mais c'est le seul aspirateur qu'on a eu. Je crois pas, je crois que j'en ai acheté un ici. Je suis pas sûre. Si, si, je crois que j'en ai acheté un ici, donc il a peut-être 4 ans. Ouais. Bref, il est pourri. Et donc moi, je me suis toujours dit, il faut changer d'aspirateur. Et donc je voulais prendre un aspirateur balai, sans fil, et je voulais évidemment le Dyson. Je veux le Dyson, absolument. Mais pour moi, Dyson, c'est une marque qui représente un peu la bourgeoisie, tu vois. C'est assez cher, c'est très cher, c'est 300-400 euros. C'est assez cher, c'est très cher, c'est hors de prix. Ouais, c'est assez cher quand même. Et donc là, il était à 229 euros. Et je me suis dit, je le prends, je le prends pas. Donc je l'ai pris comme ça, je l'ai reposé, je l'ai repris, je l'ai reposé. Je me suis dit, je le prends pas. Et je me suis dit, non, je vais aller à la maison, regarder sur internet. Peut-être que là, vu que c'est Black Friday, on le trouvera, oui. Peut-être encore moins cher. Et si je trouve pas moins cher, ben je retourne à Leclerc avant samedi pour le prendre. Voilà. D'accord. Donc c'était le petit point achat impulsif. On en parlera de ça, des achats impulsifs. C'est un truc qu'il faut faire très attention. Oui, on en reparlera, c'est très 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 dangereux ça. C'est très dangereux. Des fois on a envie, on se dit ah, c'est trop bien, c'est pas cher. Et après, Tu le regrettes, c'est trop tard. Dans le budget, ça te plombe le truc. Ouais. Et à la fin du mois, t'es dans le rouge alors qu'on est à peine le 15 du mois. Bref. Ouais. Donc voilà, je vais aller vérifier les prix des Dyson. Eh les amis, nous vous laissons, non pas avec un point tricot ce soir, parce que les points tricot ne sont pas encore opérationnels. Hein? Ça arrive bientôt. Ça arrive très bientôt. Non, nous vous laissons avec un point plateau. Ouais, un point plateau. Un point plateau. Un point plateau, un point plateau de fruits le soir. On voit rien là, c'est n'importe quoi cette luminosité. On va changer, voilà, on sera bien mieux et tout le monde sera heureux. Bim. Voilà, donc nous finissons avec un point plateau, parce que vous êtes très nombreux. Mais on est blanc, c'est comme ça, c'est la vie. Attends, on va devenir noir, regarde. Voilà. Voilà, voilà, un petit réglage et tout va mieux. On est peut-être trop noir. Mais vous êtes très nombreux à nous avoir demandé, mais manger des fruits et tout ça le soir et boire des tisanes, ça vous donne pas envie de pisser la nuit? Si. Si. Déjà, Bibou, elle pisse beaucoup. Ouais, fait beaucoup déjà, pipi, on dit pas. Je fais beaucoup pipi la nuit en temps normal, mais alors avec la grossesse, je vous raconte pas. Enfin, vous imaginez bien. Plus les fruits. Donc oui, je me réveille souvent la nuit pour aller faire pipi. Voilà. Je peux pas vous dire combien de fois parce que moi, je dors. Mais honnêtement, ça fait quelques nuits que je me réveille que à 2h. Je pense que notre vessie s'habitue aux fruits. Je sais pas, ça c'est. Moi, ça, je me lève jamais la nuit. Sincèrement, je fais pipi juste avant de dormir vers minuit. Et ensuite, je suis bien jusqu'à 8h du mat. Ouais. Tranquille. Ouais. Dites-nous combien de fois vous faites pipi par jour. Mais et par nuit. T'as peut-être une vessie qui est tout simplement libre de tout bébé qui appuie dessus. Ah, quoi, c'est tu vois. Sûr, c'est sûr, c'est sûr. La question était très sérieuse. Vous avez le droit de nous dire combien de fois vous vous levez la nuit. Enceinte ou pas, homme ou femme. Si vous êtes, en couple à nous regarder, dites-nous, hein, tu monsieur sais ou madame. Une fois, tu leur as demandé combien de fois ils font pipi dans la journée. Maintenant, tu leur demandes combien de fois ils font pipi la et nuit. Alors mais et je alors, sais pas, laisse-les vivre ces pauvres gens. Mais ça va. J'ai le droit de leur demander un petit effort de d'écrire un petit commentaire. Oui. C'est pas trop demandé, c'est pas cher payé, hein. Et puis c'est marrant. C'est vrai que ça va beaucoup changer ta vie de savoir comment. Ça va pas changer ma vie, mais ça va me faire rire. Et moi j'aime bien rire. Mais faites-nous rire, dites pas juste 4 fois. Ouais. Enfin, dites-nous rire, racontez une anecdote, tu vois. Un truc où vous avez fait pipi dans le lit. Enfin, tu vois, des trucs drôles. Hein? Non, mais c'est important. C'est important. Sur cette belle parole. C'est n'importe quoi. Les amis. Mais si ça achève. Ce vlog. Merci d'avoir regardé. Vous avez vu comme ça a déjà bien repoussé? Ah ouais. Là, ça... ici. Mais on fera un point barbe demain parce que là, je suis pas bien. J'ai regardé ma barbe tout à l'heure dans le miroir. Dit, oh là là. Oh, ça m'a angoissé. Ça repousse déjà, sans déconner. Franchement. Ouais. Bref, tu m'as cassé là. Désolé, je t'ai cassé le moral. On va regarder Bates Motel, ça va être bien. Ouais, je suis pas bien là. Ouais, c'est pas une série joyeuse non plus. Hein. Non, mais au contraire, ça te montre que ta vie, elle est quand même pas si mal. Exactement. Les amis. Est-ce que j'ai dit ça, chérie? Oui. Ce vlog, merci, regardez cette vidéo. On vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Et moi, je fais ça. Vous savez, c'est extra.